Faites des ponts avec votre vie, s'il vous plaît. Votre corps vous parle tout le temps. On est toujours exactement là où est-ce qu'on doit être dans notre vie, mais de temps en temps, il faut bouger. Puis pour ça, il faut lire le vivant qui nous traverse. Et quand tu n'aimes plus qui tu es en sa présence, en présence de ton travail, quand tu n'aimes plus qui tu es en présence de ton amoureuse, de tes amis, c'est une invitation à bouger. La vie est toujours en train de te parler. C'est à toi de lire la vie et d'offrir la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la vitalité. Si tu favorises la vitalité, tu vas guérir et tu vas prospérer. Si tu lis puis tu n'aimes pas qui tu es en la présence de tel type de personne, de relation et tout ça, et que tu fais des actions qui ne favorisent pas la vitalité, tu favorises la destruction de la vie et tu commences à t'éteindre. Il n'y a pas de guérison et tu tombes dans une énergie de manque, de survie, d'insatisfaction, de colère, de répression. Qui me suit? Fait sens, ça? Hein?